a mis de la masse et de l'histoire du bodybuilding. Cette photo m'inspire une vidéo, parce qu'on entend souvent dire, ouais, Nubray, il aurait dû battre Arnold, etc. Alors, est-ce qu'il aurait dû battre Arnold en 75, de toute façon, quoi qu'il... C'était mort, parce que juste avant, il avait essayé de prendre le pain de la bouche des frères Védère. Donc là, de toute façon, c'est même pas la peine de 75. Mais est-ce que dans l'absolu, qui était le mieux, si on fait un Olympia virtuel, qui était le mieux? Alors déjà, on peut commencer par les cuisses. Aucun des deux n'avait un point fort vraiment cuisse. Mais à l'époque, ça passait largement. J'allais dire, Tom Platz n'était pas encore arrivé. Mais Arnold était quand même mieux en cuisses parce qu'elles étaient plus sèches. En masse, ça se discute, mais il avait Arnold avait des meilleurs mollets, avec guillemets, parce que je me demande de plus en plus. Mais bon, je suis quand même étonné. Est-ce que c'est des vrais mollets? Il y en a beaucoup qui disaient à l'époque que c'était pas des vrais mollets. Après, il a toujours gardé ses mollets, donc c'est toujours étonnant. Mais bon, objectivement, je sais pas. Mais dans l'absolu, il avait des meilleurs mollets que Nubray. Donc ça, la grosse bataille, c'est en haut. Et puis à l'époque, c'était en haut. Et ils ont des physiques complètement différents en cela que Nubray, tant qu'il a les bras baissés, il est imbattable. C'est pour ça que quand je vois cette pose là, objectivement, il a les muscles beaucoup plus ronds qu'Arnold. Il a toujours été plus sec. Arnold était plus gros. Mais lui était plus sec, donc c'est toujours difficile. Les mecs qui aiment la sèche, ils vont dire Nubray il est meilleur. Les mecs qui aiment la masse, donc il n'y a pas de classement possible. Mais le gros point faible de Nubray, c'est dès qu'il lève les bras. De toute façon, à part peut-être en abdos, en pose abdos, mais pour tout le reste, alors on va pas dans l'ordre, mais le mec qui me dit que comment cette pose-là de Nubray. Elle est meilleure que celle-là d'Arnold. Faut pas exagérer non plus. Là, il est imbattable, Arnold, sur cette pose. Je te la repasse. Tu vois, en cuisse. Après, c'est des vieilles photos, des machins, mais la découpe d'Arnold. Alors lui, il a une meilleure taille en V, mais Arnold, il a les dorsaux qui sortent comme c'est pas permis. Sur cette pose, il est imbattable. Dès qu'Arnold il lève les bras. De toute manière, c'est sa supériorité. Par contre, quand il a les bras baissés, il est nettement moins bon. Lui, toutes ses poses, c'est quand les bras sont levés en l'air. Et Nubray donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont opposés, parce que Nubray, dès qu'il a les bras baissés, c'est là où il est mieux, et dès qu'il lève les bras, c'est là où tu vois que ça va pas, quoi. Donc on regarde quelques photos, tu vois bien. Là, tu les vois. Enfin, après, ils ont peut-être le même âge, mais c'est Arnold. Ça, il sort beaucoup mieux dès qu'il lève. Tu vois, sur cette pose-là, pareil, à côté de celle-là. Nubred, en pose relax entre guillemets et les bras en bas, c'est vrai qu'il est, il est difficilement battable. Mais dès qu'il lève les bras, c'est plus ça, quoi. Et beaucoup de poses. C'est les bras en l'air, donc et puis Arnold, dès qu'il te montrait les doubles biceps, je te dis, c'était plié. Tu fais ça, bim, c'est pas la peine. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut rentrer chez lui quand t'as vu cette pose-là. Donc tu vois, toutes les alors, c'est pas Arnold, hein. Merci de me le signaler, mais tu vois, est-ce que là, sur une pose comme ça, il bat Nubray? Pareil, en pose relax, mais dès qu'il lève les bras, c'est terminé, tu vois. Tu vois, là, on voit. Après, c'est 80, ça, mais dès que tu vois, il lève les bras, enfin, c'est ce que j'appelle lever les bras, c'est comme ça. Arnold, il était imbattable. Donc, qui est le meilleur? Il n'y a pas de meilleur, chacun va avec ses préférences, je dirais. En concours. Arnold, puisque je te dis, la plupart des poses, tu peux pas rester sans bouger, tu es obligé de déplacer les bras. Donc la compétition favorise Arnold. Mais les poses comme ça en club, etc., favorisent Nubray. Mais cette pose-là que j'ai trouvée, qui était particulière, je la trouve plus. Tiens. Ah ben si, c'était ma photo. Sur cette pose-là, il est
Il est difficilement battable, mais c'est une pause. Et en cage, Arnold, il avait quand même une grosse cage plus impressionnante. Nubray avait des bien meilleurs abdos, si tu veux savoir pourquoi. Alors, c'est pas seulement l'entraînement, c'est une grosse partie génétique. Tu le sais déjà parce que tu as lu la méthode de Lavier 3, qui étudie le ratio au point de vue de l'abdomen. Et tu verras les conséquences dans le livre sur les blessures. Il y a des conséquences très très importantes, donc de ton ratio abdomen, poitrine, et puis taille des abdos, nombre d'abdos, etc., sur les blessures, des conséquences tout à fait, et qui sont, tu peux pas y échapper. Y a des mecs qui essayent de... Ils pensent qu'avec du vaudouisme, ils vont y échapper. Tu pourras absolument pas échapper à cette règle de la taille de l'abdomen, enfin des différents ratios de la table de l'abdomen sur les blessures. Donc, mais voilà, je voulais faire une comparaison. J'espère que... Déchaîne-toi dans les commentaires pour soutenir ton athlète préféré, mais je pense que du fait de ce qu'on demande en compétition, Arnold était supérieur. Et puis, souviens-toi, si tu crois que t'es Nubray, c'est que t'as oublié de te réveiller. Et puis Arnold aussi, si tu crois que t'es Arnold, mais encore plus Nubray, j'ai l'impression, si tu crois que t'es Nubray, t'as oublié de te réveiller ce matin.